In the dead of night, where the stormy skies meet, I walk alone, where the ocean lies beneath. My heart is heavy. In the dead of night, where the stormy skies meet, I walk alone, where the ocean lies beneath. My heart is heavy. My soul in despair, seeking solace in the waves, a burden to bear. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors ça faisait un petit moment que je n'étais pas passé, mais vous vous en doutez bien, j'avais un petit peu de travail. Pour aujourd'hui, nous allons retravailler sur les nuages, notamment sur un cumulonimbus. Alors vous allez voir les différentes étapes pour le réaliser. Donc n'hésitez pas, profitez de cette vidéo et j'espère que vous allez faire un bon entraînement. Et vous êtes peut-être en train de vous demander qu'est-ce que je suis en train de faire sur le support. Alors pour information, je vais peindre sur un support en bois que j'ai préparé. Donc j'ai mis un fond d'acrylique. Et là je suis en train de passer donc du blanc d'Espagne ou blanc de Meudon. Mais vous pouvez également utiliser de la poudre de marbre. Alors quelle est l'utilité? Eh bien ça permet d'une part de dégraisser le support. Et également de faire un micro-ponçage. Donc je n'utilise pas de gesso. Bon, c'est une question de... Ça m'est arrivé, bien sûr, mais bon, j'aime pas trop. Donc je préfère procéder comme ça. Et c'est un petit peu plus simple. Voilà. Donc vous pouvez passer cette poudre. Et vous allez voir qu'après, que ce soit à l'acrylique ou à l'huile, vous n'avez aucun problème d'adhérence. Et vous pouvez travailler tranquillement. Ensuite, un coup de chiffon pour enlever l'excédent. Et vous pouvez attaquer votre peinture. Le tableau va être composé de la façon suivante, donc 2/3, 1/3, donc une construction simple, 2/3 pour la partie du ciel et 1/3 pour la partie, vous allez voir un petit peu plus loin, donc de la mer. Voilà, donc vous pouvez faire un repère, donc notamment pour la ligne d'horizon. Alors vous remarquez assez souvent, j'utilise la craie, hein, ça me permet de faire des tracés si j'ai envie, d'essuyer avec un chiffon, c'est assez simple, donc certains utilisent le pinceau, font des tracés à la peinture, pourquoi pas, voilà, donc chacun sa technique, vous pouvez essayer cette technique là, vous allez voir c'est assez simple, alors plus sur un support bois que sur une toile. Alors voici l'image donc du nuage que j'ai utilisé, vous pouvez télécharger votre image si vous voulez, et sinon suivre ce que je fais. Vous allez voir que les étapes sont assez détaillées, donc vous pouvez très bien dessiner en même temps que moi, il n'y a aucun problème. Par contre, vous n'aurez pas tous les effets pour placer les teintes, ça va peut-être être un peu plus embêtant. Donc n'hésitez pas à télécharger une photo, donc si vous trouvez à peu près la même, pourquoi pas, je l'ai pris sur internet. Donc c'est un cumulonimbus. Vous retracez tranquillement les contours. Vous apportez un tout petit peu de détails, il n'y a pas besoin de beaucoup. Ce qui nous importe pour l'instant, c'est vraiment les contours de cette masse nuageuse. Dès que vous avez fini, vous prenez du ruban de masquage et ça va être pour placer sur la ligne d'horizon, ce qui permet de ne pas dépasser et d'avoir à pas repeindre dessus. Et c'est parti pour le barbouillage. Alors barbouillage pourquoi? Parce qu'on va juste faire du remplissage. Donc vous regardez bien sûr les zones les plus claires sur votre nuage. Et là on va utiliser uniquement du bleu. Ensuite du blanc pour éclaircir un petit peu. Et une pointe de noir si on veut assombrir un peu, donc là c'est là où on va jouer sur les nuances. Maintenant, il faut remplir toute cette masse nuageuse en créant des nuances. Alors là vous allez regarder la photo que vous avez prise. Si vous n'avez pas pris de photo, donc faites un retour arrière et essayez d'isoler la photo que j'ai prise, ou essayez de trouver à peu près la même. Et là il va falloir donc créer des nuances sur cette masse. Donc dans la globalité, ça va être des tons blancs, gris, un petit peu bleutés, mais il y a des zones qui sont un petit peu plus marquées que d'autres. Celles qui vont être plus blancs, vous utilisez un blanc pur, celles qui sont bleues, un petit peu délavées, comme j'ai fait au centre ici. Voilà. Donc vous mettez juste des masses comme ça,
sans vous appliquer spécialement, et vous venez pocher avec un pinceau légèrement pour diffuser un petit peu les peintures entre chaque teinte ou chaque nuance. Voilà, vous faites ce travail. Si vous avez une brosse un petit peu comme celle que j'ai, ou un spalter, sinon ce pinceau qui est le blaireau, ça vous permet de diffuser et d'adoucir un petit peu donc toutes ces teintes. Alors c'est quelque chose d'utile, je vous en parlerai un petit peu aussi, j'en ai parlé déjà dans certaines vidéos, mais c'est vraiment certains outils qui sont indispensables et surtout très pratiques. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais tout ce travail a été fait à l'acrylique. Ça permet d'avancer, déjà de placer notre nuage. Ensuite, une fois que c'est sec, donc là c'est le cas, je vais passer à la peinture à l'huile. Donc aucun problème hein, pour ceux qui se posent la question, on peut peindre à l'huile sur l'acrylique, aucun problème. Bon, l'inverse aussi, mais j'en parle dans certaines vidéos, n'hésitez pas à aller voir. Donc là, on est sur l'acrylique et on vient mettre, donc on est toujours dans les mêmes couleurs, hein. J'utilise un bleu de base, vous pouvez prendre un cyan par exemple. Ensuite, vous ajoutez à votre convenance, alors on part quand même sur des couleurs assez légères au démarrage, voilà, donc un bleu, vous mettez du blanc, et vous allez donc petit à petit venir rajouter des teintes légèrement en transparence, ça veut dire que vous utilisez un médium, donc c'est pareil, je ferai une vidéo dans quelques temps sur les produits que j'utilise et je parlerai donc du médium que j'utilise. Donc ça permet de travailler en glacis, d'avoir des couleurs transparentes, même si je sais que certains essayent d'avoir des peintures très couvrantes, donc il y a des techniques qui sont différentes, on peut avoir des peintures qui ne sont très peu couvrantes, et ça a une utilité. Alors, pour notre nuage, donc vous voyez, je remplis, je repasse un bleu sur une grande, grande surface, et après, je vais venir, pareil, pocher légèrement sur cette couleur que je mets, et adoucir. Alors, la particularité, étant donné que je travaille avec un glacis très léger, le travail qui est en dessous, qu'on a fait à l'acrylique, il est toujours apparent. On le voit à travers, et c'est ce qui va créer notre masse nuageuse et nos effets dans les nuages. Il va falloir que vous soyez très observateur. Donc, même si on utilise très peu de couleurs, ici du bleu, du blanc, du noir, on peut rajouter bien sûr d'autres couleurs, mais c'est la base. Rien qu'avec ça, on peut faire un nuage sans aucun problème. Il va falloir, de votre côté, observer pour savoir donc où sont les zones les plus claires, les zones intermédiaires, les zones plus foncées. Je sais pertinemment qu'en bas de mon nuage, je vais avoir des couleurs plus soutenues, plus sombres, donc je n'hésite pas à assombrir de plus en plus. Mais il vaut mieux y aller doucement. Vous essayez une teinte, vous regardez si ça correspond à peu près à ce que vous avez sur l'image. Pour ceux qui auront idée de copier ce que je suis en train de faire, donc c'est pareil, essayez d'avoir une couleur approchante. Vous voyez que entre le bleu du milieu et le bleu qui est en dessous, vers le bas du nuage, on a un bleu un petit peu plus gris. Donc n'hésitez pas, votre bleu, vous le faites donc avec du bleu, une pointe de blanc. Et s'il y a besoin que ça soit un petit peu plus grisonnant, et bien vous rajoutez une toute petite pointe de noir et vous allez obtenir donc comme ça des nuances pour créer votre nuage. N'hésitez pas à faire plusieurs nuances sur votre palette, et ça va vous permettre comme ça de jongler de temps en temps, puisque vous allez voir que cette couleur qui est tout en bas du nuage, je vais quand même pouvoir l'utiliser pour créer des volumes, même dans le haut du nuage. On va retrouver toutes ces couleurs et toutes ces nuances un petit peu partout. Bien sûr, à la fin, le nuage, donc tout en dessous du nuage, ça va être la partie la plus sombre. À partir de maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Vous venez retravailler sur votre masse nuageuse, vous rajoutez une couleur, une nuance, par des petits mouvements, vous voyez un petit peu, je fais des mouvements circulaires, un coup dans le sens horaire, un coup dans le sens contraire, ça permet de créer des petits effets de nuages. Donc, vous pouvez travailler dans le frais, donc rajouter ainsi des teintes, des nuances, ou attendre que ça sèche et revenir le lendemain. Après, voilà. On n'est pas pressé, l'important est de réaliser quelque chose de propre, de correct et qui ressemble à un nuage. Attention, un mouvement important, regardez bien, j'ai zoomé légèrement. Voilà, cette partie vous montre bien comment faire vos mouvements
de nuages. N'hésitez pas à vous remettre un petit peu en arrière, juste la partie que j'ai zoomée. C'est assez important pour comprendre comment faire tous ces mouvements de nuages. Nous allons maintenant accentuer donc les volumes au niveau du nuage. Donc, on va passer à une teinte un petit peu plus soutenue. Donc là, on part sur un gris-bleu. Voilà, donc vous faites une base de bleu, vous me rajoutez un petit peu de blanc et ensuite une pointe de noir jusqu'à obtenir un gris légèrement bleuté. Et on n'oublie pas d'adoucir dès qu'on a fait un travail qui est convenable. Vous voyez que les nuages commencent à prendre du volume, on commence à voir des nuages en 3D. Il ne vous reste plus qu'à alterner cette technique, c'est-à-dire le haut des nuages donc dans une teinte assez claire, voire même du blanc. Et ensuite, plus vous descendez, pour créer ce mouvement d'arrondi, plus vous allez prendre une nuance foncée. Voilà, donc c'est à vous de l'alterner. Et ensuite, vous prenez un petit pinceau et vous surlignez toute la tête des nuages en blanc pur. C'est cette technique qui va vous permettre de mettre en valeur les nuages. Maintenant qu'on a fait le nuage, on va y revenir bien sûr dessus, mais l'important est de le mettre encore plus en valeur. Donc on va attaquer notre ciel. Alors là, on n'a pas peur, on utilise un bleu de Prusse, quasiment pur, donc avec un petit peu de glacis dedans bien sûr. Il faut quand même que ça puisse être étalé. Donc il y a plusieurs techniques là. Donc soit on va faire une bande assez large en haut, qui va être exclusivement en bleu de Prusse. Et ensuite on va venir la pocher, en faisant des mouvements de droite à gauche et en descendant petit à petit vers la ligne d'horizon, ce qui va créer un dégradé tout naturellement. Après, il y a d'autres techniques. On peut faire donc une bande en bleu de Prusse pur, ensuite y rajouter sur cette base une petite pointe de blanc, faire une bande en dessous, et ainsi de suite jusqu'à la ligne d'horizon, et on vient pocher entre chaque bande pour créer également donc ce fameux dégradé. Je vous propose de faire ici la technique la plus simple, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ma bande de bleu de Prusse tout en haut, je ne recharge pas mon pinceau et je viens donc dégrader. Donc la peinture qui est sur mon pinceau est amplement suffisante. Voilà, et donc je vais dégrader. Pour l'instant, c'est pas grave si on voit des traces un petit peu partout, vous allez voir, on va pocher l'ensemble après. Mais donc je viens étaler ma peinture jusqu'à descendre au niveau de la ligne d'horizon. Et vous allez voir qu'après, en faisant un pochage, on va faire ce dégradé qui va être très cohérent. Vous terminez, vous descendez vraiment jusqu'à la ligne d'horizon, vous contournez le nuage. Si vous passez légèrement sur le nuage, ça n'est absolument pas grave. Et une fois que vous avez fait ça, vous voyez qu'en haut c'est plus foncé, en bas plus clair. Vous pouvez faire un petit pochage avec un pochoir si vous voulez, en partant d'en haut et en descendant, sinon, voilà, alors ça n'est pas un balai brosse, c'est bien un pinceau, ça s'appelle une brosse à patine, et ça vous permet de faire le travail d'un pinceau qu'on appelle pochoir habituellement, mais là c'est en version XXL. Et vous allez voir que toutes ces traces qu'on avait créées avec le pinceau, elles vont disparaître. Donc on charge en fin de compte la brosse à patine, le bleu vient se mettre dessus, et pareil, on va faire des mouvements de droite à gauche à l'horizontale, et on va descendre progressivement pour adoucir et estomper, et pour créer un dégradé qui va être quasi parfait. Notre pochage est terminé, on a donc un ciel dégradé, et voilà une autre étape très importante. Là, je viens travailler à la limite juste avec un pinceau sans le charger de peinture, mais vous pouvez quand même travailler avec une pointe de blanc, et vous venez faire ces mouvements circulaires, encore une fois un coup dans le sens horaire et dans le sens contraire, vous allez créer juste sur la tête des nuages des mouvements circulaires, et le blanc qu'il y a au niveau des nuages et le bleu qu'il y a sur le ciel, ça va créer de nouvelles masses nuageuses qui vont donner l'impression d'être derrière ce qu'on vient de créer. Voilà, vous voyez ces nuances qui sont en train de se mélanger toutes seules. Donc ça crée déjà un volume supplémentaire.
Vous n'avez plus qu'à continuer comme ça, en fonction de la photo que vous avez prise. Vous placez donc ces masses nuageuses qui sont à l'arrière. Alors surtout, observez bien la photo que vous avez choisie. Pour ceux qui veulent copier donc ce que je suis en train de faire, ben vous refaites exactement la même chose. Et vous voyez qu'on n'est pas obligé de passer tout autour du nuage, on peut rentrer à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est pour donner un effet visuel supplémentaire, mais qui existe hein, bien sûr sur la photo d'origine. Vous avez maintenant tous les éléments pour pouvoir peindre un nuage. Donc là, je vais continuer, je vais faire le bas du nuage. En fin de compte, je crée un nuage qui est un peu plus proche de nous. Donc, je vous laisse faire. Vous appliquez exactement tout ce qui a été décrit au début. Et vous recréez donc une masse nuageuse un petit peu plus proche de vous, avec exactement la même façon de faire. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on peut retoucher. N'oubliez pas de faire des adoucis avec le blaireau, comme je viens de faire. Voilà, donc si vous avez des doutes, revenez un petit peu en arrière sur la vidéo. N'hésitez pas. Et vous allez voir qu'à ce stade, on a quasiment fini notre nuage. Vous estimez que c'est vraiment bon, ça vous convient comme ça, et bien vous faites un adouci sur l'ensemble, sur le bleu du ciel, sur le nuage. Ça va fondre un petit peu les couleurs. Et ça va apporter un effet un petit peu plus cotonneux. Et vous allez voir bien sûr qu'après, on retouche toute la tête des nuages avec un filet blanc. Voilà, il y a encore des éléments qu'on peut rajouter. Mais ça, c'est vraiment pour donner quelque chose de plus réaliste. À ce stade-là, si vous faites déjà ça, vous allez voir que vous allez avoir des nuages déjà très très bien faits et qui vont vous suffire. On va attaquer maintenant dans la partie dont je vous ai parlé, c'est-à-dire vous prenez un pinceau ultra fin et vous allez créer donc des parties blanches et vous suivez le contour, la crête des nuages, ce qui va permettre donc d'apporter encore plus de volume. Pour cette partie-là qui est aussi essentielle, je vous invite à retourner sur d'anciennes vidéos. Voilà, j'en ai plusieurs sur les nuages, mais je vous montre précisément les mouvements. Comment créer ces mouvements sur la tête des nuages. Voilà, c'est quelque chose qui est assez important pour pouvoir définir la limite, où placer la limite du nuage, pour avoir cet effet de superposition. Vous avez une masse nuageuse qui est proche de vous, une autre derrière, et ainsi de suite. Et c'est cette définition de la crête des nuages qui va vous permettre de déterminer où se trouvent les masses nuageuses. Imagination worth its gold. Your eyes glow through his eyes, light and dark in perfect guise. Canvas tells a thousand tales, and every stroke his heart prevails. Oh, he dreams in shades and hues, bringing colors bursting through. Chemoscure skies so bright, painting dreams both day and night. Mountains rise in twilight's glow, oceans deep as secrets flow. Every masterpiece he starts is a window to our hearts. Vous remarquez que c'est un travail de patience, alors n'hésitez pas à bien observer les mouvements et recopier tranquillement. Secrets flow, painting dreams both day and night.
secrets fall. Every masterpiece he starts, painting dreams both day and night. Oh, he dreams in shades and hues. Je pense que vous avez bien travaillé, alors maintenant on va amener un petit peu plus de détails pour donner cette illusion de nuages beaucoup plus réaliste. On va créer des petits effets qu'on trouve à la tête des nuages, un petit peu comme des effets de cirrus. Alors je le répète à chaque fois, surtout vous voulez peindre des nuages, renseignez-vous, essayez d'apprendre quel type de nuage il peut exister, qu'est-ce que vous pouvez voir, n'hésitez pas à observer. Prendre des photos, pourquoi pas, et seulement après vous allez pouvoir vous attaquer au nuage. C'est important d'avoir en tête de bonnes références pour pouvoir peindre quelque chose de réaliste. Il faut savoir que peindre un nuage peut prendre beaucoup de temps. Plus vous allez passer de temps, plus vous allez avoir quelque chose de très réaliste, voire hyper réaliste. Donc ici ça n'est pas le but, mais en appliquant déjà ces techniques, vous allez pouvoir faire de très beaux nuages. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous entraîner. Répétez, faites des petits nuages au démarrage. Et à force d'en faire, déjà au bout de 4-5, vous allez voir que vous allez vraiment avoir une très bonne technique. Pour la suite, je vous laisse faire. Appliquez toutes les techniques qu'on a vues depuis le début. Et continuez pour finaliser votre nuage. Vous avez juste à vous rappeler que la lumière vient d'en haut à gauche. Donc dès que la lumière touche un nuage, il y a de la lumière. Et donc à l'opposé, vous avez l'ombre. Donc plus vous descendez en bas du nuage, plus ça doit être foncé. Voilà, donc je vous laisse regarder tranquillement. Je vous mets un petit peu de musique. Et bon courage. Allez boire un petit café ou une tisane, ça vous fera du bien. Alors, si vous avez pris une pause, il est temps de vous réveiller. Prenez le blaireau et faites un petit estompage sur l'ensemble de votre travail. Alors, le travail n'est pas terminé. Vous vous en doutez, maintenant qu'on a fait tout le travail des lumières, eh bien, il faut travailler les ombres. Donc, vous allez placer une teinte un petit peu plus foncée et vous allez travailler donc tout le bas des nuages. Alors, on a bien compris que c'était des nuages qui étaient superposés les uns derrière les autres. Disons que c'est comme ça qu'on représente cette masse. Et donc, dès que vous avez de la lumière, vous descendez un peu, vous avez une zone qui va devenir de plus en plus foncée. Et donc, avant de rencontrer de nouveau
la crête d'un nuage, et donc il va falloir placer à ce moment-là votre ombre et venir la dégrader en direction de la lumière. Une fois que vous avez fait tout ce travail, déjà félicitations, et maintenant on va passer aux finitions. Donc on va faire un petit peu le tour des nuages, on va diffuser un petit peu, on va faire des nuages un petit peu plus vaporeux par endroit autour. Voilà, donc là on rentre vraiment dans le détail. Alors avant de finaliser, regardez bien ce passage où je vais accentuer volontairement les ombres sous ces nuages. Alors d'après la photo que vous avez, vous regarderez bien, il y a des zones vraiment beaucoup plus soutenues, beaucoup plus foncées, et c'est ce qui met le nuage en valeur. Donc n'hésitez pas, de toute façon vous allez voir à la fin que j'ai retravaillé l'ensemble de nuages, après ça dépend du résultat que vous voulez. On n'oublie pas de faire un pochage, toujours pareil, pour garder la partie la plus foncée en bas du nuage et faire un dégradé en direction de la lumière. Donc on reproduit ça à tous les endroits où on en a besoin. Et voyez un petit peu la profondeur que ça prend, le volume que prend donc la masse nuageuse. Et on termine par un adouci global en insistant un petit peu plus sur les contours des nuages pour avoir un effet de flou. Et on va maintenant poursuivre, donc je vais pour ma part continuer. Je vais vous mettre des séquences entrecoupées et vous allez voir donc ce qu'on peut faire avec ce genre de réalisation. I'm a line, let's go hill. Then I saw Lowe's wooden up to hand the bow. Oh yeah, drum solo. Lonely nights creeping in, shadows down the wall. I walk these empty streets, my back against the cold. I hear the echo of my heels, no one by my side. Harmonica cries out, keeps the pain in line. I see the neon sign, the lonely hearts they go. In this blue haze, where did all the good times go? Walking alone, walking alone. In the night, that's where I roam. Under dim street lights, I search for some relief. In smoky bars and alleyways, chasing ghosts and dreams. I find a place to rest my head, but the blues still find me there. These city sounds can't drown the lonely air. Whiskey burns, the friend to my despair. In this lonesome town, who will care? Le travail se termine, merci de m'avoir suivi. Alors si vous voulez continuer, n'hésitez pas à aller voir sur les anciennes vidéos pour faire la mer, si vous voulez continuer. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et d'appuyer sur la petite cloche. Merci à tous et à très bientôt. In the dead of night, where the storm disguises me, I walk alone, where the ocean lies beneath, my heart is heavy.